Maddy Burciaga est plus heureuse que jamais. D'ici quelques semaines, elle va donner naissance à son premier enfant, un garçon. Son fils sera le fruit de son histoire d'amour avec Benjamin Sama. Les amoureux attendent avec impatience de faire leur plus belle rencontre de leur vie. En attendant, la jeune influenceuse a expliqué qu'elle avait pu voir son enfant, mardi 5 juillet 2022. En effet, elle avait un rendez-vous pour une échographie de contrôle afin de s'assurer que son petit garçon allait bien. En story de son compte Instagram, comme le rapportent nos confrères de Melty, la future maman a partagé une photo de son bébé. Ainsi, les internautes ont pu découvrir du petit garçon alors qu'il n'est pas encore né. La jeune femme a ensuite expliqué que son bébé pesait actuellement environ 1,2 kg. Le lendemain, elle a dû se rendre dans un laboratoire pour faire le test du diabète. Seulement, Maddy Burciaga n'a pas du tout bien vécu le moment, tant elle est stressée pour son bébé. Je ne vous cache pas que par rapport au poids du bébé, 1,2 kg, apparemment si est-il un petit peu au-dessus de la normale, d'après ma gynécologue de Dubaï. Du coup voir déjà si je ne fais pas de diabète. Et surtout, ce serait bête que j'ai un gros bébé et qu'on doive me déclencher plus tôt que prévu. En plus de ça, il y a quand même des risques pour le bébé, a-t-elle ainsi confié, une nouvelle fois sur ses réseaux sociaux. Maddy Burciaga est inquiète pour son bébé en attendant de connaître les résultats, celle qui a rencontré l'amour dans les bras de Benjamin Sama tente de garder espoir et de voir le positif. Bon, là, je vous parle dans l'extrême, hein, je n'ai pas eu mes résultats. À la base, je n'ai pas fait le test parce que j'avais des symptômes ou quoi que ce soit. Si est-il vraiment par précaution, a-t-elle précisé.